L'être humain devrait pas être malheureux à la base. Si moi je suis capable de, parce que j'ai une écoute active et puis que je m'intéresse au monde, de leur donner cette petite bulle de bonheur, pour moi, ça fait vraiment une différence et ça me tient à cœur. Sophie Dubois, Altasciences. Je suis responsable de tous les événements organisés par la compagnie et aussi du développement des marchés internationaux, donc principalement l'Europe. Donc à la base, moi je viens d'une famille qui est scientifique, plusieurs ingénieurs dans ma famille, fait que c'est sûr que j'ai côtoyé les sciences depuis mon plus jeune âge. Et en fait, j'ai une maîtrise de chimie de l'environnement que j'ai faite en France, à Marseille. Ensuite de ça, j'ai immigré au Québec. Après, j'ai décidé d'embarquer dans le monde des CRO, où j'ai travaillé pour une autre compagnie pendant quelques années. Et finalement, je suis arrivée chez Altasciences en 2019. Pour moi, le côté relationnel, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je colle autant avec les valeurs d'Altasciences aussi, parce que je suis quelqu'un qui est très axé sur l'humain et le bien-être de l'humain en général. Je fais beaucoup attention à comment les gens se sentent, parce que pour moi, c'est vraiment important que pour que les gens performent, il faut qu'ils se sentent bien et qu'ils soient dans le meilleur environnement possible. Je pense qu'une de mes plus grandes qualités, c'est la compassion que je peux avoir envers les autres. J'ai fait beaucoup de bénévolat en fait dans ma vie, dans différentes organisations, mais principalement pour aider les femmes victimes de violences conjugales. C'est là que j'ai connu mon cheval en fait, parce que c'était le cheval d'équithérapie avec lequel on travaillait pour les femmes et les enfants. On aide autant les enfants que les femmes à renouer avec la vie. On essayait de les aider à se rebâtir pour qu'ils puissent se construire une nouvelle vie. Tous les médicaments qu'on développe vont aider à quelque part l'humain, vont aider des gens à survivre, avoir une meilleure qualité de vie. Donc ça rejoint un petit peu mes valeurs fondamentales qui est l'humain, puis de savoir qu'il se sente bien. Qu'est-ce qui me tient le plus à cœur dans la vie? Me lever le matin et me dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que la journée se finisse bien? Qui est-ce que je peux aller aider? Qu'est-ce que je peux réaliser dans ma vie personnelle ou dans ma vie au travail? Je trouve toujours quelque chose.